qui est un petit avec là. Je vois le retour. Je le dirai sur ton téléphone. Jo, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
ce matin. Je sais pas. Je suis dépassée. Excusez mon make-up. Je voudrais partager avec vous. Oh Seigneur, Seigneur, grâce. La grâce. Après un programme comme celui-ci, 4 jours de combat, 4 jours de réveil. On se retrouve ici ce matin. Et on est là à partager. On s'est battu, on s'est sacrifié, on a travaillé dur pour la nation, pour l'Église, pour les hommes de Dieu, pour tout le monde. Et ce matin, je me suis retrouvé ici avec vous pour partager ce que j'ai dans mon cœur. Parce que je dois ouvrir mon petit cœur. C'est parce que mon cœur, il est gros, petit, mais je crois que c'est mon petit cœur. Donc, je veux le partager avec vous. Je veux partager avec vous ce que j'ai dans le cœur. Ce que j'ai dans le cœur. Partager. Donc, s'il vous plaît, connectons-nous massivement. Partageons la vidéo à nos ennemis d'abord. Commence par nos ennemis, s'il te plaît. Partage la vidéo à nos ennemis et après, pense à nos amis. Et nous allons parler. Ouvre mon cœur, mon petit cœur, pour toi. Et je tiens à dire merci à tous ceux qui, de près comme de loin, m'ont assisté pendant ce programme, cette préparation de programme. Et ça a été très compliqué, mais le Seigneur s'est manifesté. Sa grâce, merci pour tous ceux qui disent que j'ai le droit de pleurer, sa grâce nous a aidés, on a réalisé ce qu'on a pu réaliser. Pour le peuple de Dieu, c'est pour le Cameroun que je l'ai fait, pour l'Église de Dieu. Connectons-nous massivement, s'il vous plaît. Partage la vidéo. Et donc, voilà, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse. Ça, c'est le poisson de quel mois? C'est le poisson de juin. Et je vous ai eu. Hein? Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. Amen. Oh là là, qui est tombé dans le panneau? Il y a des gens qui m'ont dit, papa, vous avez le droit de pleurer. Pleurez, libérez les pleurs qui sont en vous. Vous savez, je suis toujours impressionné par l'amour que vous portez à ma personne, à ma petite personne. Vraiment à ma petite personne. Par rapport à cet amour, cette abnégation, cette détermination. Et à me soutenir, je pense que c'est ce que l'Église devrait comprendre. À nous tous, on devrait comprendre cela. Il est très important d'aimer et de soutenir vos pasteurs. C'est important de le savoir. J'étais en train de dormir quand je me suis réveillé le matin et qu'il y a une parole qui est tombée dans mon cœur de la part du Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, adresse cette parole à mon peuple. Et comme j'ai dit, après ce grand programme, nous sommes en train de vouloir nous retirer pour une bonne retraite encore. Pour dire merci à Dieu, puis passer à la dimension suivante. Et je vais dire merci à vous tous qui nous avez bénis, qui nous avez soutenus, qui nous avez assistés, à toutes les délégations qui sont venues de loin pour assister à ce grand programme, à toute la nation camerounaise, à tous nos frères, à toutes les nations présentes au Palais des Sports de Ouarda. Parce qu'il y a eu des gens venant de partout. On a eu le Tchad, on a eu le Sénégal, on a eu le Mali, on a eu la France, on a eu les États-Unis. Dans tous les cas, on a eu plein de pays africains, le Gabon, partout, partout. Merci pour tous ces bien-aimés qui sont quittés de toutes ces nations pour venir nous assister à ce grand programme. Vous savez,
Ce qui manque à l'église aujourd'hui, c'est l'unité. L'unité. Lorsque vous êtes unis, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans votre mariage, il n'y a rien qu'un homme puisse entreprendre qui réussisse sans l'unité. C'est impossible, mes amis. Beaucoup de mariages sont détruits à cause du manque d'unité, tout simplement. Lorsqu'un mariage est uni, lorsque des conjoints sont unis dans un mariage, mes amis, rien ne peut détruire ce mariage. Lorsqu'une famille est unie, rien ne peut détruire cette famille. Mais une famille désunie ou bien un mariage désuni, automatiquement, c'est la détresse et puis c'est la catastrophe dans tous les cas. La même chose dans le ministère. Donc moi, je pense que nous devons comprendre que l'unité est quelque chose de très important. Et dans le partage que j'ai voulu vous dire, déjà merci à tous les hommes de Dieu, merci à tous mes fils qui se sont mobilisés, de près comme de loin, merci pour tous ceux qui sont connectés à distance pour pouvoir suivre ce programme. Vous avez été bénis. Dans tous les cas, je vous annonce que au moins pendant 10 ans de votre vie, vous allez bénéficier de la grâce de ce programme, au moins pour 10 années dans votre vie. Celui qui dit Amen, la chose arrive immédiatement. Les prophètes sont dangereux, mes amis. Lorsque le Seigneur nous sort, ce n'est pas pour rien. Comme je vous l'ai dit précédemment, Dieu nous tire dans son carquois et il vient, il nous envoie et nous parlons, nous déclarons des choses et ça arrive. Chaque parole prophétique qui est sortie pendant ce programme pour toi s'accomplira, pour ta maison, pour ta famille, dans le nom précieux souverain de Jésus, dans tous les diapasons de ta vie et de ton existence, dans tes affaires, dans ton commerce, dans ton mariage. Si ton mariage était détruit, ton mariage est restauré au nom précieux de Jésus. Je veux parler à quelqu'un dont la vie sentimentale est en train de souffrir. Ainsi m'a parlé l'Éternel, il y a restauration dans ta vie sentimentale. La déception amoureuse vient de s'arrêter dans votre vie. Le Seigneur est en train d'ouvrir pour vous les écluses, d'essuyer des opportunités sur le plan sentimental. Et l'Éternel établit dans ta maison, il stabilise ton foyer au nom souverain de Jésus. Tous ceux qui sont dans des foyers qui ont des problèmes, que Dieu vous restaure, qu'il te visite au nom précieux souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur te bénit dans tes finances. Il y a des gens, vous allez simplement découvrir que des millions vous poursuivent, des millions, des milliards, vos entreprises prospèrent. Pourquoi? À cause de ce programme. Et pendant 10 ans au moins, 10 ans de bénéfices, 10 ans de grâce, 10 ans de profit tirés de ce programme que nous avons organisé. Ce n'est pas qu'il n'y aura pas d'autres programmes, il y aura d'autres programmes. Je veux dire merci à toutes les églises qui se sont mobilisées sur toute l'étendue du territoire camerounais. Vous savez, il n'y a rien de plus glorieux pour un homme de Dieu de savoir que lorsqu'il donne une instruction de la part du Seigneur, que les frères et les sœurs se mobilisent dans toutes les églises pour venir. Et quand vous lisez par exemple la Bible dans le livre de 1 Samuel chapitre 1, verset 1, la Bible dit « Il y avait un homme Aramathaïm Tchophim de la montagne d'Ephraïm nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Elihu, fils de Tohu, fils de Tchouf, Ephratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, Anne n'en avait point. » Je veux parler à quelqu'un qui est comme Anne. Tu n'as rien dans ta vie, tout ce que tu fais ne réussit pas. Écoute cette parole attentivement. Toute la prophétie qui a été proclamée pour toi et tes enfants est un héritage que personne ne pourra t'arracher. Le diable ne te séparera pas de cet héritage. La jalousie des hommes ne te séparera pas de cet héritage. Dieu a parlé, la chose arrivera. Même si après ce programme, il y a encore, tu ressens quelques signaux de tes anciennes défaites. Bien-aimé, crois en la victoire, crois en ce qui t'a été dit. Et la chose arrivera, elle arrivera certainement. Je veux parler d'une catégorie de femmes et d'hommes. Les femmes stériles qui n'arrivent pas à enfanter. Vous êtes peut-être célibataire, on vous a dit que vos trompes sont bouchées, etc. Vous êtes marié, vous n'arrivez pas à faire d'enfants, vous êtes un homme, vous êtes impuissant. On vous dit que vos spermatozoïdes sont morts, bien sont faibles. L'Éternel m'a dit de vous parler de gloire et d'enfantement. Et l'enfant qui sort de tes entrailles ne sera pas un bandit, ça ne sera pas une prostituée, ça ne sera pas un vaurien. Ce sera des princes, ce sera des princesses qui sortiront de tes entrailles parce que tes entrailles sont bénies par la parole de la prophétie. Dieu me dit de parler à une autre catégorie de personnes. Oh papa, pardon, nous voulons une église à Biéma, si vous aurez, ça je vous le promets. Dès que vous trouvez une salle, dans n'importe quel quartier, vous voulez que l'église soit établie, écrivez-nous, nous allons payer la salle. Voyez. Donc lorsque vous regardez, le Seigneur me dit de parler à une catégorie de personnes malades, les malades qui sont venus. Écoutez mes amis, je t'en supplie au nom de Jésus. Attends, je me mets à genoux même. Ce n'est pas les yeux.
je t'en supplie, à genoux, devant le Père des esprits, des prophètes, toi qui es malade, ne doute plus. Ne doute plus, ne doute plus. Cette maladie vient de quitter ton corps parce que ce corps est, il est consacré à Christ. Il est le temple du Saint-Esprit. Il n'est pas le temple de la maladie. Quel que soit le nom de cette maladie que tu portais, le VIH, le cancer, les hémorroïdes, les hépatites, les maladies de l'estomac, du cerveau, quelle que soit ta maladie, maladie de cœur, tu viens d'être délivré au nom souverain de Jésus. C'est l'héritage de ce programme qui a eu lieu. Et ça, je peux me relever. Oh non, Seigneur, je mets debout. Je mets debout. L'Esprit de Dieu est en train de me rendre ministère. Ta maladie vient de partir. La maladie est partie. Vous savez, il y a des gens qui me demandent souvent, prophète et canet, vous faites comment? Pour être debout comme ça. Je travaille comme un fou. 24 heures sur 24. Je disais à quelqu'un hier que la chose que je n'ai pas, c'est le sommeil. Dieu me permet de dormir un peu. Mais la plupart du temps, je suis en train de travailler. Regardez le programme que nous avons eu à faire. On travaille, on ne se repose pas. Quand vous regardez mon visage, j'avais maigri. Avec maigri, là, c'est même pas le manque de sommeil en tant que tel. Mais c'est la pression du poids de la cérémonie que je portais sur moi. Mais je suis debout, mes amis. Si on doit refaire, je peux le refaire. Je peux le refaire. Je suis un guerrier. Vous savez, il y a ma robe là. Il y a mon costume là. C'est-à-dire que les gens veulent toutes les photos de tout le programme. On a tout oublié, sauf ma robe. Vous savez que le tailleur, il m'a sorti. Les gens ne savaient pas si c'était la jupe, c'était la robe, c'était la veste. D'autres disaient que c'est la culotte, le cycliste. Non, mais sincèrement, les gens ne savaient pas. Mais maintenant, mes amis, quand vous regardez ça, vous savez que c'est un guerrier. C'est un guerrier. Je peux reprendre le programme maintenant. Partout où le Dieu des cieux m'envoie, je pars, je refais le programme et je suis debout. Ma voix n'est pas cassée. Elle ne se casse pas. Non. Elle ne se casse pas. Parce que la Bible dit quoi? Il dit, il donne la force à celui qui est fatigué, le banc, la vigueur de celui qui tombe en dépendance. Ça dit que et si je reste une semaine, 3 jours sur place, je suis malade, ton malade. D'autres travaillent, ton malade. Moi, c'est l'oisiveté qui me rend malade. Donc, écoute la parole de Dieu, mon ami. Femme de valeur, femme méprisée, femme rejetée, femme marginalisée. Écoute la parole de l'Éternel dans la bouche de son oint. Ta saison est venue où Dieu va te valoriser. Les hommes, attendez, je reçois une parole pour une femme. C'est pour une femme, pas pour un homme, pour une femme. Cet homme qui t'a méprisé, tu as été dans une relation avec un homme. Tu as tout donné, madame. Tu as tout donné à cet homme. Tu t'es consacré. Tu as donné ta vie. Tu as donné ton temps. Tu as donné ton argent, ton énergie, ta personne, ton amour, ton cœur. Tu as tout donné à ce monsieur. Et à l'heure de régner, le gars va prendre une autre femme qui n'a contribué en rien à ce qu'il est. Et il t'a abandonné, il t'a jeté. Et il se moque de toi et il t'a dit, je veux voir ce que tu seras. Madame, pardon, connectez la vidéo à une femme. Connectez une femme à ma vidéo. Connectez les femmes, venez. Les femmes, venez entendre la parole de Dieu pour vous. Les femmes sont où? Est-ce qu'elles sont là, s'il vous plaît? Dites-moi en commentaire. Dis, je suis là. Si cette parole est pour toi. Cet homme qui t'a méprisé, je parle comme un prophète majeur. Cet homme qui t'a méprisé, écoute la parole de Dieu. J'ai vu dans une vision une porte. Elle est ouverte, elle est pour toi. C'est un cadeau de Dieu pour toi, madame. Toi qui as été insulté, méprisé, on t'a dit, je verrai ce que tu seras. Je verrai où tu iras. Je veux voir comment, sans moi, tu réaliseras ta vie ou ta destinée. Est-ce qu'il y a une femme comme ça? Envoyez-lui la vidéo. Taguez-la sur mon direct. Taguez-la, s'il vous plaît. Connectez cette femme à cette vidéo. Nous servons le Dieu de la restauration. Madame, Dieu vient d'envoyer un ange pour nettoyer les larmes de tes yeux. J'ai vu des mouchoirs blancs dans la vision des Rohais et des Hosé. J'ai vu des mouchoirs blancs et j'ai vu des anges cherchant ce genre de personnes connectées à ce direct pour nettoyer les larmes de leurs yeux. Amen. Ne pleure plus, ne pleure plus, ne pleure plus, ne pleure plus. La saison de la déception est terminée. Oh, une femme dit amen, pardon. Je veux une femme qui dise amen. La saison de la déception est finie. Dis l'Éternel dans ta vie. Tu ne passeras pas toute ta vie à pleurer, madame. Il y a des prophètes qui prient pour toi. Il y a des prophètes qui voient la face de Dieu pour toi. Il y a des prophètes qui pleurent pour que tu sois heureuse. Les pleurs sont bannis de ta vie.
Et dans la vision, l'Éternel m'a adressé sa parole pour les femmes qui sont en train de me regarder ce matin. Envoie la vidéo à une femme. Il y a une femme qui a besoin d'entendre ce message. Il y a une femme qui peut entendre ma voix. Il y a une femme qui a besoin d'un prophète, d'une parole d'un prophète dans sa vie. Il y a une femme qui doit écouter ce message. Laissez une femme entendre ce message. Laissez une femme. Femme, même si tu ne prépares, éteigne le feu. Dépose ta marmite. Écoute-moi. Après le direct, tu vas continuer de préparer comme tu veux. Dieu me dit de te dire ceci. Le temps du mépris s'arrête dans ta vie. Le temps des injures s'arrête. Le temps des moqueries s'arrête. Le temps où on te rejetait s'arrête. Je te dis la vérité par Dieu qui m'a appelé. Les hommes qui t'ont méprisé, madame, les hommes qui t'ont sosifié, reviendront à genoux devant toi chercher ta faveur. Si tu crois, dis amen. Ils reviendront. C'est pas parce qu'ils t'aiment. Ils reviendront parce que ton élévation les obligera à revenir. Ce n'est pas fini. Dieu me dit de te dire, je n'en ai pas fini avec toi, ma fille. J'ai vu tes larmes. J'ai vu tes pleurs. J'ai vu tes tourments. J'ai vu tes soucis. J'ai entendu le mal que l'on a dit de toi. La misère qu'on t'a fait vivre. Le mépris dans lequel tu as vécu. L'Éternel fera de ces personnes qui ont cru tenir ta destinée dans leurs mains. Ton marche-pied. Dieu t'élèvera. Ce n'est pas fini. Arrête de pleurer. Ce n'est pas fini, madame. C'est pas fini. Dans le monde entier, partout, on est en train de regarder ce direct. C'est pas fini. Dieu va te donner un mari. Dieu te donnera des enfants. Même si l'hôpital a dit, vous savez, mes amis, vous avez suivi, j'étais lors du programme qu'on a eu hier à la Bire. Il y a un jeune homme, écoute-moi bien. Il y a un jeune homme qui est venu de la Guinée équatoriale. On l'a opéré. Dieu nous a donné la grâce de guérir au nom de Jésus. Thérapie ou homme. On a la grâce là. On déclare et ça arrive. Si tu as la foi, ça arrive. Le monsieur qui était la Guinée équatoriale, mon ami, que tu m'aimes ou que tu ne m'aimes pas, c'est trop tard. Que tu crois en moi ou pas, c'est trop tard. Dieu nous a déjà pris dans son bateau. Il est venu, on l'a opéré, impuissant. Impuissant. Sa destinée était détruite. Quand il est arrivé à l'église, j'ai prié sur lui au nom souverain de Jésus et j'ai entendu la parole de l'Éternel me dire, dis-lui d'aller aux toilettes et de vérifier. Comment quelqu'un qui est impuissant depuis des années, il vient dans une église, on déclare la parole de l'Éternel. On lui dit d'aller aux toilettes. Il est parti. Vous avez suivi son témoignage hier. Lors de la conférence d'impartition des zones d'affaires. Hein? Il dit quoi? Que maintenant, ça fonctionne. Il est redevenu un homme. Qu'est-ce qui s'est passé? L'hôpital lui a dit que ce n'était plus possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que dans l'histoire de la campagne de Baleven, cette femme est venue. On a dit à l'hôpital qu'on va l'opérer. Vous avez vu toutes ces choses-là. Quand nous parlons, mes amis, nous parlons avec autorité. Nous parlons avec autorité parce qu'on a le pouvoir. On a reçu de Christ cette autorité. Je ne doute en rien de la parole que je dis. Parce que le Seigneur m'a dit, voici le signe par lequel tu reconnaîtras. Que moi, l'Éternel, ton Dieu, je verrai sur toute la parole. Que je consacre ton égard pour l'exécuter. Donc si je te parle, ça va arriver. La dame est arrivée. On me l'a présentée. On a dit quoi? Deux enfants dans le ventre. L'un assis, l'autre tourné. L'hôpital lui a dit qu'elle ne peut pas accoucher sans opération. Je lui ai dit, madame, ça n'arrivera pas. Pas sous cette atmosphère. Pas sous ce manteau. Écoutez, Dieu nous a rendus encore plus dangereux que ce que vous avez cru. Comme je suis en train de parler là. Il y a des femmes, ton téléphone va sonner immédiatement. Ton téléphone va sonner. Et quelqu'un va t'appeler qui changera ta vie. Dis amen, s'il te plaît. Je suis en train de parler. Hein. Les téléphones ont commencé à sonner. J'entends. Dans le règne de l'esprit, les téléphones sonnaient. Il y aura des connexions prophétiques et divines qui sont déclenchées. Après avoir prié sur la dame, je lui ai simplement dit, madame, retourne à l'hôpital, allez accoucher. Elle est arrivée à l'hôpital, les a chassées. Elles ont dit, on ne peut pas partir. Parce que le prophète Ekane Ferdinand a parlé. Et nous croyons la parole de l'Éternel dans sa bouche. Oh, la femme s'est défiée avec sa foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut croire comme cette femme ce matin? Quelqu'un qui dise à Satan, Satan, trop, c'est trop. Le prophète Ekane Ferdinand a adressé sa parole. La parole de l'Éternel dans ma vie. Et je crois en cette parole. Et non pas aux bêtises de la sorcellerie. Ou aux bêtises des ennemis de ma vie. Qui ont prophétisé des âneries contre ma vie. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Dites-le. Qu'est-ce que le prophète Ekane qui a dit? Ça n'arrivera pas. Ça ne peut pas. Je me tiens entre toi et la prophétie de ton ennemi. Je la retourne à l'expéditeur. En fait, je n'ai même pas besoin de parler. Cette prophétie me regarde seulement, elle fait demi-tour et c'est fini. Écoutez mes amis, écoutez. Elle est partie à l'hôpital, l'a chassée. Elle a dit, on ne parle pas. Ses frères étaient là pour la soutenir. Ils ont dit, on veut une chambre.
Ils sont assis, on leur a donné une chambre. Ils sont entrés là-bas, croyant la parole du prophète. Si tu es stérile, crois. Il y a des anges médecins. Si vous ne le saviez pas, il y a ce qu'on appelle les anges médecins. C'est des docteurs dans le règne de l'esprit qui guérissent. Vous savez, dans le mystère de la guérison, un jour on va vous parler de ça. Dans le mystère de la guérison, la Bible dit que l'arbre auquel Adam et Ève mangeaient, nous avons accès à l'arbre de la vie, mes amis. On a accès à l'arbre de la vie. Laisse-moi t'expliquer un petit mystère. L'arbre là, que Adam et Ève mangeaient, cet arbre existe. Cet arbre existe. La Bible dit que pendant qu'ils mangeaient de cet arbre, ils vivaient éternellement. Ils n'étaient pas malades, mes amis. Pourquoi Adam et Ève vivaient-ils éternellement? Pourquoi ne tombaient-ils pas malades? C'était le fruit de l'arbre de la vie éternelle. C'est pour cette raison que lorsqu'ils sont sortis du jardin d'Éden, il y a eu un chérubin protecteur qui avait en main une épée flamboyante pour empêcher à l'homme de retourner en secret manger du fruit de la vie éternelle pour vivre éternellement et vaincre la mort. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose. Ça, c'est le mystère que je veux revenir sur ça. Le mystère des portes. Le mystère des portes. Laissez-moi vous montrer une chose. La Bible dit qu'à l'entrée du jardin d'Éden, il y avait un chérubin qui agitait une épée flamboyante pour empêcher à l'homme de rentrer manger à ce fruit. Parce que la vie était dans ce fruit. La guérison était dans ce fruit. La santé était dans ce fruit. L'éternité était incarnée dans ce fruit. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que vous avez déjà eu à réfléchir à ça? Qui a déjà pensé à ça? Le jardin d'Éden n'était pas clôturé. Je répète, le jardin d'Éden n'avait pas de barrière. Quand Dieu a créé le jardin d'Éden, c'était un jardin ouvert. Mais comment la Bible dit-elle que le chérubin était à la porte du jardin, à l'entrée du jardin? S'il fallait entrer dans le jardin, Adam et Ève pouvaient contourner par derrière. Hein? S'il fallait protéger le jardin, il fallait que des anges entourent tout le jardin d'Éden pour empêcher à l'homme d'entrer. Le jardin n'avait pas de clôture, mes amis. Le jardin n'avait pas de barrière, mes amis. Mais il y a eu un seul ange qui était à l'entrée du jardin. Qu'est-ce que ça veut dire? Il pouvait entrer, Adam pouvait contourner par derrière, entrer avec Ève. Je ne sais pas si vous comprenez le questionnement. Il pouvait contourner, entrer derrière. Mais il était impossible de contourner. La seule voie d'entrée était où l'ange était. Ça veut dire quoi? Il y avait une porte invisible qui donnait au jardin. C'était la porte d'entrée, la porte de sortie. Quoique le jardin physiquement n'avait pas une barrière, il y avait une muraille spirituelle qui protégeait le jardin d'Éden. C'est ça qu'on appelle le mystère des portes. Il y avait pas. C'est-à-dire, tu vois le jardin, il n'y avait personne, mais tu ne pouvais pas avoir accès à ça. Il y avait un seul endroit où le chérubin était positionné. Mes amis, laissez-moi vous dire quelque chose. Jésus a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai, je dînerai avec lui. Il parle de la porte. Et il parle de la porte ici, de la maison. Et chaque être humain doit comprendre qu'il est une forteresse. Vous êtes une forteresse, mes amis. Personne ne peut accéder à votre vie si vous ne lui donnez accès à votre vie. Donc quand je prophétise, si tu ne dis pas Amen, ça n'arrivera pas. Jésus-Christ est la parole. La Bible dit en archehen hologos. Kai hologos proston teon kai hoteos en hologos. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et Dieu était la parole. Il dit Panta di auto e geneto. Toutes choses ont été créées, engendrées par elle. Kai koris auto e geneto ude en ho gegonen. Et sans elle, rien de ce qui a été créé, même pas la ude en. C'est-à-dire même pas la moindre chose. La chose infinitésimale n'a été créée sans la parole. Mais cette parole dit, je me tiens à la porte, je frappe. La parole frappe à la porte de ton cœur, mon ami. Il n'y a pas de miracle dans une vie qui ne croit pas. C'est ça que Jésus a dit, oh, décomien, non, prophète, eis, oh, non, ma prophète, mis son prophète, l'aime, c'est taille, oh, décomien, non, dikayou, eis, oh, non, ma dikayou, mis ton dikayou, l'aime, c'est taille. Donc, il faut que tu crois, mon ami. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Cette femme, elle a cru. Elle a dit, donnez-moi la chambre, donnez-moi un lit. On lui a donné le lit et la chambre. Elle allait se coucher. La sage femme lui a dit, ok, vous restez là-bas. Quand les contractions commencent, on a appelé la sage femme, elle a refusé de venir. Elle a dit, ok, vous voulez commenter l'hôpital? L'hôpital vous dit, on va vous opérer. Ils ont dit, notre prophète a parlé. Nous croyons au Dieu des prophètes. La Bible, j'ai dit même la Bible. Le matin, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a accouché, mon ami. Elle a accouché. D'après la parole que l'Éternel lui avait dite, elle a accouché en paix, sans opération. L'enfant s'est retourné immédiatement. Elle a accouché. Mon ami, quel que soit ce que tu es en train de vivre, arrête-toi un instant, écoute bien ce que je te dis.
quel que soit le défi de ta vie. Regarde cette montagne. Regarde là. Parce que c'est pour la dernière fois que tu regardes à cette montagne dans ta vie. Elle sera aplanie. La Bible dit, montagne, qui es-tu? Pour résister devant Zorobabel. Qui que tu sois, tu seras aplanie. Et elle est aplanie au nom de Jésus. Dans ta vie financière, elle est aplanie. Oh, je viens de voir une vision. Je parle à tous mes enfants qui me regardent de l'Europe, la diaspora. Vous battez dans vos finances, ça ne va pas. Les papiers, ça ne va pas. Je déclare et je prophétise. Un mois de miracle. Un mois de miracle dans vos vies là-bas. Un mois de positionnement prophétique. Celui qui dit Amen, celle qui dit Amen. Dieu te vise sur le plan sentimental. Dieu te vise sur le plan professionnel. Dieu te vise sur le plan financier. Dieu te vise sur le plan spirituel. Si tu dis Amen, ces quatre dimensions de visitation prophétique viennent dans ta vie maintenant au nom souverain de Jésus. Et l'ange de Dieu m'a montré quelque chose. J'ai vu des femmes qui souffrent des fibromes et des myomes, des kystes. Dans ton ventre, il y a quelque chose qui bouge, quelque chose qui marche. Écoute, Dieu veut faire sortir ça maintenant. Il y aura deux choses qui vont se passer quand je vais prier. Premièrement, soit la chose va disparaître. Elle va se dissoudre. Dans ton ventre, ça disparaîtra complètement. Soit ça va sortir. Donc si vous êtes dans un endroit public, s'il vous plaît, retirez-vous un peu. Mettez-vous un peu de côté. Laissez Dieu vous toucher. Laissez le doigt de Dieu vous toucher. Père, toi qui montes au Roré et qui accomplis la vision, j'ordonne que toutes les femmes qui portent dans leur ventre des kystes, des myomes, des fibromes, les femmes dont l'utérus a été occupé par autre chose que des bébés, qu'elles reçoivent la guérison maintenant, qu'elles reçoivent la délivrance maintenant, qu'elles soient libérées maintenant, qu'elles soient sauvées maintenant. J'ordonne que les kystes sortent, que les myomes sortent, que ces choses sortent au nom souverain de Jésus de Nazareth. Ça sort, quelle onction vous tous vous êtes. Je vois des femmes partout par terre, je vois des femmes sous l'onction et par terre. Ça sort, ça sort, ça sort. Reçois ta délivrance, reçois ta délivrance. Reçois la guérison. Les myomes sortent. Les kystes sortent. Les fibromes sortent. Dans le nom souverain de Jésus. Ça sort, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. J'entends des cris. Je vois des femmes crier dans les maisons. Ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen, dis Amen. Ta guérison est accomplie dans le nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth. Ça sort dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour la délivrance. Je suis en train de voir dans ta famille la sorcellerie. C'est-à-dire que c'est dépassé. C'est-à-dire que chez toi, c'est les marmites noires. En principe, la sorcellerie, comme c'est-à-dire, ça fait les marmites noires. Les mariages sont bloqués. Les voyages sont bloqués. Des maladies maléfiques lancées. Tu vas à l'hôpital, on ne voit rien, mais tu ne fais que maigrir. Tu ne fais que souffrir. Ta vie est en train de changer, définir l'ombre de ce qu'elle devrait être. L'heure du jugement de la sorcellerie est arrivée. Laisse-moi prophétiser. Laisse le prophète se tenir en ta faveur derrière toi. La Bible déclare que lorsque Josué est allé contre Amalek, Moïse était derrière Josué, sur la montagne, levant le bâton de Dieu. Je lève le bâton de Dieu en ta faveur. Je lève le bâton de Dieu en ta faveur. Je lève le bâton de Dieu en ta faveur. Je lève le bâton que je tiens en ta faveur. Amalek tombera. Amalek tombera. Amalek tombera. Qu'il soit dénoncé au nom de Jésus. Même si c'est ton père, même si c'est ta mère, même si c'est tes propres enfants, comme je parle, il commence à crier dans la maison. Il commence à crier dans la maison. Seigneur, que les sorciers soient fouettés. Par les anges, par les anges, je libère des anges, je libère des anges, je libère des anges. Il les fouette, il les fouette. Le doigt de Dieu les touche. Ils commencent à ouvrir la bouche, ils vont te dire ce qu'ils ont fait. Maintenant, maintenant, cette tension tombe dans la maison, dans la voiture, dans ton bureau, au maçon où tu es. S'il y a un sorcier dans ta famille, j'ordonne que sa bouche s'ouvre maintenant. Il commence à parler, il commence à confesser. Et il remet tout ce qu'il a touché à ta vie, à tes enfants, à ton mariage, à tes finances, à ta carrière, dans le nom souverain de Jésus de Nazareth. Aucun d'eux ne restera caché. Père, expose les sorciers. Expose les sorciers. Que Dieu vous expose. Que le feu descende. 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 Que le feu les touche. J'entends des cris.
J'entends des sorciers crier. J'entends les cris dans les maisons. Parlez maintenant. Ouvre la bouche et confesse. Ouvre la bouche et confesse le mal que tu as fait dans cette famille. Tout ce qui a été volé est restauré. Tout ce qui a été volé est restitué. Les mariages restitués. La santé restituée. Le succès restitué. Les destinées restituées. Les étoiles restituées. Oh Dieu, que ton jugement descende sur le méchant. Quiconque a pris quelque chose qui t'appartient, que ce soit les cheveux, que ce soit tes ongles, que ce soit tes vêtements, tes sous-vêtements, dans le nom de Jésus de Nazareth, le jugement de Dieu tombe sur cette personne maintenant. Une nouvelle saison se lève pour toi, bien-aimé. Les prophètes ne sont pas là pour seulement vociférer des paroles, balbutier des paroles ou baragouiner. Nous sommes là pour parler, pour délivrer le peuple. La Bible dit par un prophète, Israël fut appelé hors de l'Égypte. Et par un prophète, Israël devint une nation. Je t'appelle hors de la maison de la servitude. Et je déclare que tu deviens une nation. C'est-à-dire que tu deviens grand. On te respecte. Dieu t'établit par l'onction prophétique au nom souverain de Jésus de Nazareth. Madame, ne pleure plus. Monsieur, ne pleure plus. Parce que ta saison est venue. Où la main de l'Éternel se révèle du haut des cieux. Le Père des esprits des prophètes. Nous sommes en guerre, mes amis. Nous sommes en guerre. Je vous assure. Nous sommes en guerre, mes amis. Nous ne perdrons pas cette guerre. Il est impossible que tu perdes cette guerre. Nous la remporterons sur la terre. Nous la remporterons au ciel. Jésus a dit, Dosso Seidas, Cléidates, Vasilianton, Uranoi. Je te donne les clés du royaume des cieux. Oyant deses, epites, ges, estai, de demenon, et tois, Uranoi. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Oyant douces, epites, ges, estai, de demenon, et tois, Uranoi. Tout ce que tu déliras sur la terre sera délié au ciel. Mon ami, toute chaîne maléfique qui attachait ta vie, tu ne comprenais rien. Homme de Dieu, toute chaîne maléfique qui attachait ton ministère, je viens de la couper au nom souverain de Jésus. Et celui qui est responsable de cette chaîne, celui qui est responsable de cette chaîne, celui qui a fabriqué cette chaîne, est enchaîné dans ses propres chaînes. Dis Amen et Dieu brise les chaînes de la servitude dans ta vie. Tu n'es pas né pour accompagner quelqu'un. Tu n'es pas né pour être le lardin de qui que ce soit. Tu n'es pas né, mon ami. Tu n'es pas né pour être l'esclave de quelqu'un, pour être un accompagnateur. Tu es né pour accomplir ta destinée. Tu es né pour accomplir de grandes choses. Et ces choses, même que le diable ne voulait pas que tu accomplisses, à partir de ce matin, s'il te plaît, arrête de pleurer. Nettoie-moi ces larmes. Arrête de croire que c'est fini pour toi. Arrête, s'il te plaît. Nettoie ces larmes. Nettoie ces larmes. On t'a méprisé, ça je le sais. On t'a fait beaucoup de mal. Là aussi, je le sais. On t'a beaucoup blessé, ça je le sais. Mais mon ami, ta vie ne va pas s'arrêter. Parce que les gens t'ont blessé. Nous aussi, on nous a blessés. Mais nous avons refusé d'être ce que nos ennemis veulent que nous soyons. Tu ne peux pas être ce que tes ennemis ont dit que tu es. Sauf si je ne suis pas prophète. Sauf si j'ai menti que le Seigneur m'est apparu depuis mon enfance jusqu'à cet âge. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Tu n'es pas né pour accompagner quelqu'un. Et dans une vision, j'ai vu des rouleaux. Oh, Saint-Esprit, merci. J'ai vu des vieux rouleaux antiques. Et ces rouleaux, je les ai vus dans des maisons, des cases noires, dans des coffres forts, bien gardés. Et quand j'ai demandé à l'ange de l'Éternel, c'est quoi ces rouleaux? Il m'a dit, c'est les prophéties de plusieurs que le prince de Perse a pris en otage. Et il m'a dit, prophétise la libération de leur prophétie. Il y a eu des rêves que vous avez eus. Vous avez eu des rêves où vous étiez grand, mais vous êtes petit dans la réalité. Des rêves où vous étiez marié, mais vous êtes célibataire. Des rêves où vous étiez guéri, mais vous êtes malade. Des rêves où votre ministère est grand, mais dans la réalité, il est petit. Bien-aimé, c'est le livre de ta prophétie. Qui a pris en otage le livre de ta prophétie? Dans ce rêve, Dieu vous a montré des enfants, des princes et des princesses issus de vos entrailles. Mais l'hôpital vous dit que vos trompes sont bouchées. Mes amis, c'est parce que le livre de ta prophétie est pris en otage. Le rouleau de ta prophétie a été pris en otage. Il faut des prophètes. C'est pour ça que Dieu nous a appelés, mes amis. C'est pour ça que nous avons été oints de la part du Père des esprits des prophètes. Il dit, car je veille sur la parole de mes serviteurs les prophètes pour l'exécuter. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes.
à ses serviteurs. Les prophètes, je vais entendre quelqu'un répéter à ses serviteurs, les prophètes. C'est la guerre. C'est la guerre. J'ordonne maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que soient ouvertes ces prisons dans lesquelles ton rouleau de la prophétie a été retenu en captivité. Que soient brisés les coffres forts que je vois. Que la puissance de l'ennemi soit brisée. Qu'elle soit anéantie. Qu'elle soit houspillée. Qu'elle soit saboulée. Qu'elle soit sabotée. Dans le nom puissant de Jésus. Récupère le livre de ta prophétie. Récupère le livre de ta prophétie. Récupère le livre de ta prophétie. Au nom souverain de Jésus. Bien-aimé, s'il te plaît, envoie cette vidéo de délivrance à quelqu'un que tu aimes, à tes enfants, à tes amis, à quelqu'un qui a besoin d'une parole comme celle-ci dans sa vie. Je vois les rouleaux de prophétie sortir. Je vois les rouleaux libérés. Je vois des rouleaux libérés. Quand ça se libère, quand c'est libéré, ta vie change. Quand c'est libéré, ton histoire change. Quand c'est libéré, ta vie ressuscite. Jésus a dit, Ego emihe anastasis, kaito hezoe. Je suis la résurrection et je suis la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Même si tu étais mort, reçois la vie. 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 Recevez! Au nom souverain de Jésus, reçois le rouleau de ta prophétie. Ce mariage que tu ne voyais qu'en rêve, maintenant il devient réalité. Ces finances, ces milliards que tu vois souvent en rêve deviennent une réalité. Ce n'est plus un rêve. Le rêve devient réalité. Ce mariage glorieux que les sorciers avaient pris en captivité, mais que tu voyais dans tes rêves, devient une réalité. Oh, une réalité, mon Dieu. Une réalité dans leur vie, Seigneur. Une réalité, Seigneur. Une réalité. Les sorciers ont perdu cette bataille. Satan a perdu cette bataille. Ce travail, ce poste glorieux que tu ne vois qu'en rêve est devenu une réalité. Ton rêve devient réalité au nom de Jésus. Ces bébés, oh alléluia, alléluia, gloire à toi Seigneur. Ces bébés que tu ne voyais que dans les rêves sont devenus une réalité au nom souverain de Jésus de Nazareth. Ce n'est plus un rêve. Ta vie ne sera plus un rêve. Ta vie sera une réalité. Mais un rêve pour les autres. Tu deviens un centre d'intérêt dans ta famille et dans ta génération. L'Éternel parle et la chose arrive. L'Éternel parle, qui peut résister, qui peut résister. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit de même que la pluie ne peut tomber sans avoir fait germer la plante du sol, de même la parole qui sort de ma bouche ne peut retourner à moi sans avoir accompli avec succès mes desseins. Mon ami, ce que je dis arrive. C'est déjà accompli. Jésus a dit lorsque vous demandez une chose dans la prière, croyez comme vous l'avez déjà reçu et vous verrez la chose s'accomplir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Écris en commentaire, je crois. Et la chose arrive. Quel que soit ton pays, quel que soit ton problème, il n'y a pas un démon, une montagne qui résiste à mon Jésus. J'abaisse cette montagne. J'abaisse ce problème. Toi qui es en train de me regarder, tu es dans une difficulté compliquée. Je te vois sortir de cette difficulté. Qu'elle soit financière, on veut t'amener en prison. Oh! Aïe, 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 je viens de voir quelque chose, aïe, 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 je viens de voir quelque chose mes amis, je viens de voir quelque chose, oui, oui, je viens de voir quelque chose, c'est pas possible, c'est pas possible, merci Jésus, merci Jésus. Mes amis, écoutez, vous tous qui êtes endettés, il y a des gens qui se cachent. Comptez 7 jours. Vous tous qui êtes endettés, qui ne pouvez plus sortir librement, on vous recherche, on vous amène en prison. Tu vis sur les dettes des banques, les banques, les banques, les banques, les banques. Dieu m'a dit, dis-leur, si je trouve en eux un brin de foi, comme un grain de sénévé, ce que tu diras arrivera. Toi qui es endetté, toi qui es endetté, toi qui es endetté, que ce soit à hauteur de milliards, à hauteur de millions, à hauteur de centaines de mille, écoute la parole de l'Éternel. 7 jours, dans 7 jours, dans 7 jours, dans 7 jours, dans 7 jours, tu payes toutes tes dettes par l'Éternel ton Dieu. Dieu se présente à toi comme Jéhovah Jireh, le grand pourvoyeur, le Dieu du miracle financier,
le Dieu de la provision, le Dieu des impossibilités financières. Est-ce que quelqu'un croit ce matin? Seigneur, je cherche quelqu'un qui a la foi. Je vais rester debout bien assis, je prends quelle position? Je cherche quelqu'un qui a la foi, juste comme un petit grain de sable. Trouvez-moi une foi, quelqu'un, appelez-moi une femme, appelez-moi un homme qui a la foi, qui est comme le grain d'un sable. De sable. Je ne demande pas la foi comme un pépin d'orange ou de mandarine. Pardon, une foi comme un grain de sable. Et l'impossible arrivera. Je ne sais pas comment ça va arriver. Il y a des gens parmi vous, les banques vont annuler vos dettes. Les banques vont annuler. Mireille est où? Les gens passent sa musique ici. Mireille! Elle est où, Mireille? Le Dieu des impossibilités, le Père des esprits, le prophète, ta dette est annulée. Je déclare votre dette annulée au nom souverain de Jésus. Elle est où? Oui, Mireille. Tu te souviens, ma fille qui était en France, qui était endettée. Tu te souviens? Elle est en direct. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est venue ici au Cameroun. Elle était surendettée. Attendez, les gens pensent que c'est... Juliette Bétier, viens, mets-toi ici, Mireille. Juliette Bétier, le même miracle va se répéter. Mets-toi ici. Le même miracle va se répéter maintenant. Les gens sauront qu'il y a des prophètes dangereux dans cette génération. Il faut leur expliquer. Juliette Bétier, si elle est là, qu'elle m'appelle, elle t'appelle à ton numéro, tu me la passes. MTN. Oui, MTN. Qu'est-ce qui s'est passé? Juliette Bétier est venue au Cameroun parce qu'elle était surendettée, elle avait des problèmes. Elle n'arrivait pas à divorcer. Oui. Donc elle est venue ici au Cameroun, elle a amené une offrande pour vous donner. Et vous lui avez dit que non. Vous lui avez dit non. Oui. Vous lui avez dit non. Vous avez ressemé ça dans sa vie. Oui, j'ai refusé son offrande. Oui. Donc, et c'était une grosse enveloppe. Oui. Vous lui avez dit que, comme elle repart là, comme son mari refuse de signer ses papiers de divorce, le Seigneur permettra qu'il signe ses papiers de divorce. Oui. Et comme son mari a pris des dettes dans son dos, oui. L'État français va annuler complètement sa dette, quoi. Oui. Donc, elle m'a appelé quelques temps après pour me dire que, miraculeusement, elle est allée, on l'a appelée pour lui dire qu'elle a été acquittée de tout. Donc, et puis, son mari, les papiers de divorce sont arrivés, le divorce a été prononcé, elle a trouvé le travail, ce qu'elle n'avait pas déjà, elle oui. a trouvé un logement. Oui. Donc, elle travaille, elle est restaurée et elle est bienfaitrice au ministère Emma. D'accord. Bien, mes amis, maintenant, vous avez suivi, c'est Juliette Bétier qui est endettée. Qui a des dettes. Écris-moi en commentaire, dette. Laisse-moi parler. Seigneur, ce n'est pas moi, pas prophète, pas Ekané Ferdinand, mais ta gloire. C'est pas moi. Paul a dit, nous portons ce grand trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance ne soit pas attribuée à nous, mais à Dieu. Qui est endetté? Que ce soit des milliards. Envoyez la vidéo à quelqu'un qui est endetté maintenant. Vous saurez qu'il y a des hommes encore parmi les humains qui voient Dieu, qui marchent avec Dieu, qui entendent Dieu et qui expérimentent Dieu. Envoyez la vidéo à quelqu'un que vous connaissez qui a la dette avant que je ne prie. J'attends. Envoie la vidéo à quelqu'un. Si vous êtes endetté, mon ami, écrivez dette. Que ce soit des personnes, que ce soit des banques, quelle que soit l'institution à laquelle vous devez de l'argent. S'il vous plaît, écrivez dette. Je vais annuler. C'est Betty. C'est Juliette Bétier. Oui, ok, on va suivre d'abord. Oui, on suit son témoignage. Allô? Oui, bonjour papa. Bonjour ma fille, oui, ça va? Ça va. Oui, mais j'étais là-bas en 2018. Oui. Juillet 2018. Oui. Et donc, vous avez prié sur moi, vous m'avez donné 6 mois. Oui. Et quand je suis arrivée, je suis rentrée en mars et avril. Le 28 avril, on a annulé mes dettes. Oui. Et mon divorce a été prononcé ce jour-là aussi. Oui. Donc, mais j'avais aussi le problème de mensures depuis plus de 5 ou 6 mois et mes mensures sont venues. Oui. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Oui. Oui. Donc, la dette a été annulée après combien de temps? La voici. La dette a été annulée après combien de temps? Après que vous ayez reçu la prophétie. Oui, allô? Vous me suivez? Allô? Allô?
faudrait. Allô? La voici. Elle est dans quel pays? Elle est en France. Elle est en France. En France. Allô? D'accord. Vous avez suivi son témoignage. Elle a quitté la France pour venir au Cameroun. Allô? En 2018. En 2018. Et la prophétie s'est accomplie, elle dit après un mois, c'est ça? Un mois après, n'est-ce pas? Les menstrues sont revenues. Elle n'avait pas de menstrues. Les menstrues sont revenues, oui. Et la dette a été annulée. Bien. Ah, on a mis silence. Silence, ça veut dire quoi? Ah, ok. Allô? Allô? D'accord. Merci. Que Dieu la bénisse. Bien-aimé, je vais prier maintenant. Je vais faire la même déclaration que dans la vie de notre fille, ma fille Juliette Betty. Père, Père des esprits des prophètes, j'invoque ton nom sur tous les endettés ce matin et ceux qui regarderont après. Au nom de Jésus, que leur dette soit annulée. 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 Dans le nom souverain de Jésus de Nazareth. Père, mon esprit va dans toutes les banques. J'annule les dettes. J'annule les dettes. J'annule les dettes. J'annule les dettes. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth, je donne 7 jours de miracle. 7 jours. 7 jours d'annulation des dettes dans le monde entier, dans tous les pays, au nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que tu es le Dieu des miracles, le Dieu des choses impossibles. Que ce qui est impossible te soit donné au nom souverain de Jésus. Que ce qui est impossible devienne possible dans ta vie maintenant. Les dettes sont en train d'être annulées. Ta banque va t'appeler. Ta banque va t'appeler. Ton créancier va t'appeler. Et il va témoigner. Il va te dire, je ne veux plus. Voilà, ne paye plus la dette, c'est fini. Vas-y, oublie, j'efface tout ton tableau. Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de le faire. Si quelqu'un croit, il dit Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Et la chose arrive. Mon Dieu. Mon Dieu. Est capable de le faire. J'annule tes dettes. J'annule tes dettes. J'annule ta dette. Même si c'était des milliards, je les annule. Je les efface devant le Père des esprits de prophètes. Même si c'était des millions, je les annule au nom souverain de Jésus. Et s'il y avait des cas dans les tribunaux, des poursuites contre toi, j'annule ces poursuites. Elles seront abandonnées. Elles seront abandonnées. Elles seront abandonnées. Je les vois abandonner maintenant. Dans le nom de Jésus de Nazareth, les poursuites contre toi sont abandonnées. Et sois sage désormais. N'entre plus dans des business comme un fou. N'entre pas dans des affaires comme quelqu'un qui ne réfléchit pas. Ton cas au tribunal, parce que je parle comme un prophète. We have seen what we are speaking about. Ton cas au tribunal, cas d'argent au tribunal est annulé. C'est annulé au nom souverain de Jésus. Et l'Esprit de Dieu m'a amené dans la prison de Kondengi. Dans la prison de Kondengi. Tous les prisonniers injustement enfermés sont libérés. Ils sont libérés au nom souverain de Jésus. Les dettes sont, les téléphones sont en train de sonner. Amenez-moi un téléphone, s'il vous plaît. Écrivez-moi en commentaire si la dette a été annulée. Écrivez-moi en commentaire. Ou appelez. Appelez au même numéro. S'il vous plaît, je vois des messages dans les téléphones. Je vois votre numéro, c'est quoi? Je vois des messages dans des téléphones. Des dettes sont en train d'être annulées. Alors je parle. Ton créancier va t'appeler avant la fin de cette émission. Certains vont recevoir le coup de fil de leur créancier. Que ce soit ton bailleur, que ce soit, je ne sais pas, n'importe qui. Les gens vont t'appeler pour dire, oublions la dette. Je mets le tableau à zéro. Reprenons tout à zéro. Saurez que la parole éternelle est souveraine dans cette nation. Sa parole va au-delà des frontières des nations. Au nom de Jésus, cette matinée, c'est ta matinée. La gloire de Dieu resplendit du haut des cieux. Sa main est sur toi pour te sortir, quel que soit le tombeau où on t'avait enterré. La main de Dieu est sur toi. Les dettes, j'ai dit, les dettes sont en train d'être annulées. Immédiatement quand je parle, tes dettes sont en train d'être annulées. Ta dette s'annule, 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 ta dette s'annule. Ta dette s'annule, elle s'annule, elle s'annule, elle s'annule. Au nom de Jésus de Nazareth, dis Amen. Dis Amen, s'il te plaît, quelqu'un dit Amen. La dette là est effacée. La dette est effacée. Seigneur, efface. Seigneur, efface. Mon Dieu, efface. Seigneur, efface. L'argent n'est pas un problème pour toi. Nous ne servons pas un petit Dieu. L'argent n'est pas un problème. Non seulement ta dette est effacée, mais Dieu te bénit.
Dieu te bénit. Dieu te bénit. Dieu te bénit. Dieu te bénit. Dieu te bénit. Au nom de Jésus. Dieu libère tes finances. Dieu libère tes finances. J'appelle l'argent du nord. J'appelle l'argent du sud. J'appelle l'argent de l'est. J'appelle l'argent de l'ouest sur ta vie. La honte quitte ta vie maintenant. Au nom souverain de Jésus de Nazareth. Le Dieu des impossibilités. Les dettes sont annulées. Les dettes sont annulées. Les dettes sont annulées. Les cas sont annulés dans les tribunaux. Les cas, la faveur sur toi. La faveur sur toi. La Bible dit Onomos Diamauseos et Dote. Kaite Aleteia. Kaite Karis. Dia Jesu Christu et Geneto. Il dit la loi nous a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité. La grâce, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité nous ont été données par Jésus-Christ. La grâce de Jésus sur toi. 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 La grâce de Jésus-Christ sur toi. Dans le nom précieux et souverain de Jésus. Bien-aimé, demain, je veux prendre ton témoignage. Demain, 10h. Ne manque pas le direct. Demain, 10h. Nous allons prendre témoignage. Les dettes ont été annulées. Tu vas appeler pour témoigner. Ta maladie est partie. Tu vas appeler. Ton terrain, on va te remettre. C'est le prophète Canet qui parle de la part du Père des Esprits des prophètes. On parle avec autorité, mes amis. Ta voiture, on va t'appeler, on te remet. Ton terrain, on n'a pas, on te remet. L'héritage de ton père, on t'appelle, on te remet ça. Le tribunal te donne le droit auquel tu as droit. Le tribunal te donne raison. On t'appelle, on te donne ça. Et tu sauras que la parole de l'Éternel dans ma bouche est éprouvée. Que Dieu te bénisse. La maladie est partie. Va à l'hôpital après ce direct. Refais les examens, fais ton bilan de santé. Tu vas crier, ton docteur sera crié, ton docteur criera, il sera troublé. Parce que la parole de l'Éternel a été adressée en ta faveur. La faveur sur toi, 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 la faveur sur toi. Reçois, 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 recevez au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. C'est accompli, que Dieu te bénisse. Rendez-vous demain. Partage cette vidéo. Si tu partages, Dieu va doubler. La double portion te sera donnée. De toute proclamation accomplie sur cette parole, Dieu te donne la double portion, mon ami. Reçois et partage. Partage la vidéo. Un maximum de personnes. Et Dieu te bénit. Demain, nous continuons avec ce programme de délivrance. Mon ami, tu n'es pas né pour accompagner quelqu'un. Tant que je vivrai, tu vas réussir. Tu es obligé de réussir. C'est forcé maintenant. C'est forcé. Tu vas réussir. Tant que je vivrai, tant que je verrai la face de Dieu, tant que je me prosternerai devant celui qui m'a appelé, mon ami, tu ne seras pas une honte, ni dans ta famille, ni dans ta génération. Dis Amen et c'est accompli. Rendez-vous demain et ce vendredi à la Bible. J'ai atmosphère de miracles, ça sera terrible. Et dimanche, double culte, ça sera terrible. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Shalom.